2 août 2023, en route pour Saint-Romain-en-Jarez, tout près de Lorette, pour une sortie de 11 km. Nous serons guidés aujourd'hui par l'appli de la Fédération Française de Randonnée, Marando. Nous montons dans un premier temps sur environ 7 km. L'ascension n'est pas trop forte mais un peu longue et nous parcourons essentiellement des zones boisées offrant de beaux panoramas sur la vallée du Gier et des vues sur le massif du Pilat. Arrivés au sommet, nous n'aurons pas la chance de voir les Alpes et le Mont Blanc, mais les perspectives sont superbes. C'est ensuite une descente assez raide de 4 km vers Saint-Romain. Le bilan est positif avec un juste équilibre entre des zones de nature, quelques passages sur des routes asphaltées peu fréquentées et d'harmonieux paysages très majestueux. Le temps très chaud était accompagné d'un vent assez fort qui a compensé les ardeurs du soleil. Au final, une excellente sortie et un guidage presque parfait. Coucou. Hello.
On est en train de finir une boucle de 11 km à partir de... Ça s'appelle Saint-Romain-en-Jarret. Il faut prendre l'autoroute en direction de Saint-Étienne, sortir à Lorette. Ouais. Et après, on monte. C'est au-dessus de Saint-Paul-en-Jarret. Ou ça n'a rien à voir. Je sais pas. Bon, bref. Enfin bon. Donc, à partir de Saint-Romain-en-Jarret, une boucle de 11 km. Très chouette. Vraiment, il y a des paysages magnifiques. C'est varié. C'est un peu de route, des sous-bois, des sentiers. Alors, le seul bémol que je mettrais, moi, c'est que ça monte. Pas énormément, mais ça monte sur pratiquement les 7 premiers kilomètres et après ça descend. À pic. Oh, enfin, sec quoi. Ouais, un peu sec. Donc j'aime pas trop ces randonnées où ça monte et ça descend. Là, c'en est une, mais bon, ça monte quand même pas tant que ça. Non, c'est pas énorme. C'est pas. Mais bon, c'est un peu dommage. Voilà. Ah, c'est une rando qu'on fait avec une nouvelle application, la Marando, de la rando de la Fédération de randonnée. Fédération française de randonnée. Voilà, on a testé l'appli qui est pas mal. Hein. Il y a encore des trucs à découvrir, mais elle est super, ouais, c'est pas mal fait. Super complète. Hein. Il y a beaucoup de choses. C'est super intéressant. Voilà. Et donc, alors, c'est bien. On ne crève pas de chaud parce qu'il y a du vent. Énormément de vent. Donc voilà. C'est... Mais il fait chaud. Hein. Il fait chaud, sans mais comme il y a du vent, c'est le ressenti est moins chaud. Voilà. Allez, ciao, ciao. Bisous, bye. Ciao. Voilà le paysage sur le pilat, au fond, là-bas. Et puis, il y a pas mal de vergers, finalement. Pas mal de quoi ? De vergers.